Salut tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que vous allez bien ce soir, parce que, bah oui, on est le soir, c'est tout nuit, et puis je suis à l'intérieur pour une fois, forcément. Donc j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qu'on m'a posée beaucoup de fois, et que je me suis moi-même posée énormément de fois par le passé. Et cette question, c'est tout simplement, est-ce que c'est possible de concilier le fait de s'aimer tel qu'on est et le fait de s'améliorer, le fait de tendre vers un idéal de soi-même. Parce que je suppose que vous aussi, vous avez dû lire ou entendre autour de vous qu'on est bien comme on est, qu'il est important de s'aimer comme on est, qu'il est important de s'accepter comme on est, qu'on est complet, qu'on est parfait comme on est, qu'il n'y a rien à changer. Et d'un autre côté, on entend aussi, surtout en développement personnel, qu'il faut tendre vers un idéal, qu'il faut chercher à aller vers la meilleure version de nous-mêmes, il faut chercher à l'incarner, que c'est important de progresser, d'évoluer, de s'améliorer, qu'il est important d'être plus en paix avec soi-même, d'être plus heureux, d'avoir peut-être plus de succès, bref, d'être plus que ce qu'on est déjà, de tendre vers quelque chose de plus. Et donc forcément, ça peut sembler vraiment contradictoire. Et c'est pour ça qu'en fait, j'aimerais bien répondre à cette question, bien sûr avec ma vision, avec ma façon de voir les choses actuellement. Alors pour moi, ce qui est important, et c'est là où on doit vraiment s'aimer comme on est, c'est dans le moment. Dans le moment présent, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vienne d'arriver, je ne sais pas moi, vous vous mettez en colère. Il y a une scène qui se passe, bon, il y a une situation, vous vous mettez en colère. Là, c'est hyper important d'accepter les choses comme elles sont pour moi. C'est là où on doit s'aimer comme on est. C'est là où on doit se dire c'est parfait comme c'est. C'est là où il est très important d'être tolérant, d'être bienveillant et de se donner plein d'amour. Parce que, voilà, ça vient de se passer, c'est passé. On ne peut rien faire à propos de ça, à part l'accepter. Et si on commence à critiquer et à juger ce qui vient de se passer, notre réaction, notre façon de réagir et ce qu'on est, on est en train de résister à ce qui est là et à ce qu'on est nous-mêmes, et on est en train de se rejeter. Donc pour moi, c'est vraiment là où on doit développer cet amour de soi, cette acceptation de ce qu'on est comme on est. Par contre, c'est important aussi de pouvoir s'observer, de pouvoir ensuite revenir sur la situation et voir peut-être les réactions qu'on a eues, les choses qu'on a dites, enfin tout ce qui s'est passé, de pouvoir l'analyser un minimum, dans le sens que on voit les comportements qui peut-être sont destructeurs ou qui peut-être n'ont plus d'utilité actuellement pour nous. On n'a peut-être pas envie d'aller dans ce sens-là maintenant. Donc c'est important quand même de revenir dessus pour pouvoir juste voir un petit peu, avoir une vision d'ensemble de ce qui s'est passé. Et tout ça, en fait, simplement pour poser les choses et décider de faire un choix quant à ce qu'on a envie de continuer à perpétuer dans le futur. Et c'est là où on peut s'améliorer. C'est là où on peut changer les choses pour plus tard. Parce que on a conscience, on prend conscience de ce qui s'est passé. Il y a eu de la colère, par exemple. Et ça, bon, bref, ça a envenimé les choses plus que de les arranger. Et donc, voilà,
Le truc, c'est simplement de se dire, ok, la prochaine fois, peut-être qu'il faut que je prenne un peu de recul et que je parte pas dans ma colère comme ça. Et donc la prochaine fois que ça va arriver, bah, l'idée, c'est vraiment de, comme on a eu conscience de ce qui s'est passé, de pouvoir prendre le recul, avoir la réflexion, poser les choses et agir à propos. Voilà, pour moi, c'est vraiment là où où on peut concilier le fait de s'accepter comme on est et le fait de s'améliorer. Alors j'aimerais juste mettre deux petits bémols dans l'histoire, juste vous mettre en garde contre, pour moi, deux petites choses qui peuvent être un peu dangereuses, entre guillemets. Alors la première chose, c'est tout simplement la perfection, le concept de perfection, parce que bon, moi j'ai énormément vécu ça, et c'est vraiment quelque chose qui peut être destructeur. Quand on veut tout le temps être parfait. Quand on est tout le temps en train de se juger, de se critiquer, de se taper dessus parce qu'on n'est pas assez parfait, on n'accepte pas en fait ce qu'on est du tout. Mais c'est vrai que quand on cherche à s'améliorer, on peut tomber dans ce piège, parce que c'est un piège en fait. Le piège de la perfection, c'est hyper, hyper destructeur, je me répète, je sais, mais je sais aussi de quoi je parle parce que moi je suis complètement tombée dedans et je me suis longtemps, longtemps juger, critiquer et taper dessus en fait, autodétruite on va dire d'un certain côté, en voulant être parfaite sans arrêt. Donc ça c'est le premier danger pour moi, c'est le premier piège à faire attention quand on cherche à s'améliorer, de pas tomber là-dedans. C'est bien de s'améliorer, c'est bien de regarder ce qui ne nous sert plus ou ce qui est destructeur pour nous, mais il faut pas tomber dans l'inverse où on cherche tout le temps à être parfait. Et la deuxième chose c'est de comprendre que en fait, on ne peut pas contrôler tout. On ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on peut transformer, et il y en a d'autres qu'on ne peut pas, qu'on n'arrive pas. Alors plus on est conscient, plus en fait on peut avoir le recul et on a la capacité du coup de poser les choses et de pouvoir de plus en plus les changer, les transformer. Mais il y a des choses parfois, c'est des réactions qui sont des conditionnements en fait, ou des programmations inconscientes, qui sont souvent liées à la survie. Et dans ces moments-là, ça sort tout seul. C'est des réflexes en fait, c'est des réflexes de survie. Et du coup, il y aura des fois, on va se dire, ah, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça? Ben, tout simplement parce que c'est dans l'inconscient et que l'inconscient, en fait, il n'y a pas de réflexion, quoi. On est sur de la survie et bam, 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 ça sort comme ça. Et c'est là où il faut vraiment avoir beaucoup de tolérance, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour pour soi-même. De comprendre ça, voilà, c'est des trucs qui ont été utiles à un certain moment, sûrement, qui sont inscrits à l'intérieur de moi, qui sont là pour ma survie, pour que je survive. Donc même si maintenant c'est plus du tout utile, voire destructeur, ben il faut aussi respecter ça, en prendre conscience et petit à petit ça va lâcher. Mais c'est là où il faut être tolérant, il faut être bienveillant envers tout ça et envers soi-même, envers nos réactions. Et bien avoir bien accepté qu'en fait, ben, on n'a pas forcément le contrôle dessus, pour l'instant en tout cas, mais petit à petit, plus on est bienveillant, plus on a de l'amour pour soi, plus on prend le recul, on s'observe, et on a tout cet accueil de ce qui est là, tout simplement, et ben plus ça va couler, plus les choses elles vont lâcher en fait. Mais surtout pas résister. Surtout pas résister, accepter les choses comme elles sont, même si parfois, ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura ou peut-être aussi aidé à voir votre propre vérité, à trouver votre propre vérité, parce que moi, personne n'a la vérité, en fait, avec un grand V. On a chacun notre propre vérité, et le fait d'entendre celle des autres, ça peut simplement nous permettre de trouver la nôtre. Donc voilà. Et si ce genre de contenu vous plaît et que vous décidez de, vous avez envie de recevoir mes vidéos facilement, ben vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube, soit en cliquant sur le lien juste au-dessus de la vidéo, soit il y a un petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, parce que j'adore vous lire, j'adore partager avec vous et j'adore toutes les interactions qu'on a ensemble. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et je vous dis à très vite. Bye!